Un nouveau royal baby est né, l'occasion idéale pour les membres les plus éminents de la monarchie britannique d'oublier leurs différends pour célébrer la venue de la petite Lilibet Diana au monde. Le prince Charles ne fait d'ailleurs pas exception. Malgré ses divergences avec le prince Harry, le prince héritier a publiquement félicité son fils cadet et Meghan Markle. Le duc de Cornouailles a, en effet, adressé un beau et subtil message au duc et à la duchesse de Sussex sur Instagram, ce dimanche 6 juin. Le fils aîné de Sa Majesté Elisabeth II a relayé sa déclaration en compagnie de Camilla Parker Bowles, sa seconde femme, sur le compte Instagram de Clarence House. Le futur roi d'Angleterre n'oublie d'ailleurs pas d'inclure Archie, son quatrième petit enfant devenu grand frère à la suite de la naissance de Lilibet Diana ce vendredi 4 juin. Félicitations à Harry, Meghan et Archie pour l'arrivée de bébé Lilibet Diana, peut-on lire, nous leur souhaitons à tous nos meilleurs voeux. Un geste qui peut être interprété comme une main tendue par certains mais qui a surtout été applaudi par la communauté Instagram du prince Charles. Meghan et Harry prêts pour la réconciliation? Il est peu certain que le message du premier en ligne dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre parvienne à rabibocher les Windsor et les Sussex, tant les tensions sont tenaces. Cependant, en accueillant une fille au sein de leur tribu, Meghan Markle et le prince Harry ont souhaité adresser deux clins d'œil à la famille royale d'Angleterre. D'abord à travers le prénom Lilibet, le surnom dont Sa Majesté Elisabeth II est affublée depuis sa plus tendre enfance, puis avec celui de Diana, hommage évident à la princesse de Galles. Impossible cependant que l'ex-actrice en oublie sa mère, Dori Araglan. Son allié de toujours.